Bonjour à toutes et à toutes, nouvelle petite vidéo en ce lundi 13 avril, jour de Pâques. Comment allez, View? Ça va, ça a été pour les jours de Pâques? Les enfants, ils ont bien trouvé les œufs. Nous aussi, on n'a pas, j'ai pas acheté, hein, j'ai pas acheté d'œufs de Pâques. Il y a beaucoup d'abonnés qui m'ont dit où sont les Pâques, où sont les œufs, où sont les œufs, mais j'ai rien acheté. J'ai juste acheté une petite tasse, comme je vous avais dit la dernière fois sur l'autre vidéo, de Star Wars et de la Reine des Neiges pour Cécile. Mais il y a eu juste un tout petit sachet avec des petits grains de chocolat à l'intérieur. Voilà, c'est tout ce qu'il y avait dedans. Donc, mais sinon, moi, déjà, moi, je suis pas trop trop au chocolat. Avant, oui, j'étais très chocolat, mais voilà, quand tu prends. Oui, bah, c'est bien, on a compris. Puis du fait qu'on prend de l'âge, bon, on mange, il y a des trucs qu'on mange beaucoup moins. Donc moi, le chocolat, franchement, ça m'est passé. À part si ce serait du chocolat vraiment que je kiffe, comme les Suchards ou les Mon Chéri, voilà. Et encore, pourtant des fois, je suis tenté hein, d'en acheter, mais après, mon cerveau il me dit non, non, laisse tomber. Donc moi, j'écoute mon cerveau et voilà. Et sinon, bah, j'ai fait un petit peu de course à Leader Price. Donc, les Leader Price ont changé leurs horaires. Donc, aujourd'hui, c'est ouvert jusqu'à 19h. Et toute la semaine, c'est ouvert maintenant de 9h jusqu'à 20h au lieu de 18h. Donc, je sais pas. Peut-être ils ont eu l'ordre de fermer jusqu'à 20h ou j'en sais rien. Je sais pas comment ça se passe dans le truc. Donc, là, ça ferme jusqu'à 20h. N'est-ce pas, Maout? Belles gens. Bon, tais-toi, toi, fais caca. Quand j'y arrive, parce que pour l'instant, j'arrive pas. Donc, il y a Mahout qui est là. Il y a le gros. De la pomme. Il y a le gros patapouf. Hein, mon papère. Donc, je vais vous montrer. Petit... Bon, il n'y a pas grand-chose. Hein. Il y a juste que, bah, comme d'habitude, hein, c'est surtout de la boisson, comme on est très boisson. J'ai dit boisson, j'ai pas dit poisson. Donc c'est parti. Donc j'ai pris du jus de prune pour Cécile parce que du fait avec son médicament pour la sciatique, bah éventuellement bah, ça la constipe. Donc du coup ça fait 4 jours qu'elle a pas fait caca. Donc je lui ai pris du jus de prune et puis ce soir elle mangera des légumes verts. Donc voilà pour ça. Ça c'est du pur jus de prune. Hein. Où est mon bébé d'amour? Voilà, il y a bébé qui est là. Comme ça, je vais passer ma vie aux toilettes. Oui, mon cœur, voilà. Donc, comme d'habitude, du soda orange. Quand il n'y avait plus de badois, donc ils ont remis entre guillemets du Perrier parce qu'il y avait depuis plus d'une semaine, c'était que de l'eau plate, mais il n'y avait aucune boisson gazeuse. Donc là, ils ont remis du Perrier. Donc Ouais, c'est ça. pas Nantes. Donc c'est un petit peu plus cher que la Badoit, mais bon, il n'y a pas vraiment mort d'homme, quoi. Donc je lui ai pris des Perrier, parce que Cécile, elle aime bien le Perrier. Et en ce moment, Cécile, on m'a dit, rachète du coca, parce que quand il n'y a plus rien à boire, bon, quand même, avec du coca, ça mange pas de pain. Donc du fait, j'ai repris du cola. Voilà. Là, il y en avait une tonne. Par contre, le design, ils ont changé. Ils ont mis, oui, c'est évidemment, c'est un bouton, un bouton. Oui, c'est un bouton rouge qui est sur la bouteille de cola. Et là, ils l'ont fait blanc. Donc, on va comprendre quelque chose, Charles, j'en sais rien. Donc voilà, mais ça reste toujours du cola. Pour moi, je me suis pris une bûchette de chèvre. Bon, c'est pas le truc de numéro 1 parce qu'il n'y en avait plus. Donc, comme celui-là, comme du fait qu'il n'était pas très 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 cher. Il était à peu près 1 euro, 1,3 € ou 1,5 € un truc Lequel comme t'as ça. pris? Celui-là. Ah, elle est trop bonne celle-là. Ouais, mais c'est pour ma gueule. Ah C'est pas pour toi. ah Je vais me dire, j'en aurais pris deux. ah 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 De la marque Leader Price, ça c'est marqué dessus comme la porte salut. Donc j'ai pris ça pour mélanger avec mes papates ce soir. Vu du fait que l'action, Franchement, elle est. il a eu peur. Arrête, il a peur. Oh, la peur, elle a toujours peur ce chat là. Vu du fait que Action est fermée, donc on est obligé d'acheter des sacs poubelles à droite, à gauche.
Maman, arrête, papa. Tu m'as fait peur. Maman, papa, t'as vu ce qu'il a dit, bébé? Papa. Oui, il a toujours peur, ce chat noir. Oh, mal blanc. Mal blanc. Blanc. Dis-lui, homme blanc. Maman, bébé, mais non, il sait très bien que papa, il aime. Moi, j'ai fait les caca. Donc, j'ai pris les poubelles. Bonjour. Oh non, c'est pas ça, je me suis encore gouré. J'ai fait un petit caca. Il voulait prendre des 50 litres, j'ai pris des 30 litres. Ah, c'est trop petit. Non. Bah, je sais pas. La poubelle, il va être trop petit. J'en sais rien, on verra bien. En tout cas, c'est avec les petits bidules, là, les petits léances. On verra bien. Mais je crois que ma poubelle, elle fait pas 50 litres. Hein. Ah, je suis constipé avec le médicament. Ça y est, je l'ai dit. Médicament codéine, là. Il me l'avait dit, hein, mais bon, voilà. Donc, du coup, j'ai pris l'eau, mais là, ça y est, j'ai été faire un petit peu de caca. Bah oui, comme par hasard, maintenant j'ai acheté une vidéo. Un petit peu, mais il faut, ça fait 4 jours hein, que j'ai pas été. Bon, tais-toi, je continue mon truc. J'ai des caca à du faire. Du pain. Tu veux continuer? Non. Bah alors. Vous voyez, j'ai trouvé mon œuf de Pâques. Oh là là. Janine, j'ai trouvé l'œuf de Pâques. Non. Janine, elle était morte de rire. Janine, regardez, j'ai trouvé deux gros œufs de Pâques là. Et les autres, j'ai pas trouvé Janine, hein. J'ai trouvé celui-là. De la crème fraîche, parce que je pensais que ces épinards n'allaient pas avec la crème fraîche, du coup on m'a fait acheter ça pour rien du tout. Je me suis repris des chips poulet rôti, c'est les chips burgers, j'en ai plus, je les ai finis hier soir. Mais ils sont pas mal, moi j'aime bien poulet rôti. J'ai repris du lait pour moi, parce que c'est pas la peine, parce que... moi j'ai pas le droit, moi. Et puis comme elle a pas le droit... Ah l'autre, j'ai pas le droit. Donc j'ai pris mon petit litre de lait, parce que comme vous le savez, depuis en ce moment, je bois énormément de lait la nuit. Moi aussi, je bois du lait en ce moment. Et j'ai repris du sopalin. Donc tu dis, elle m'a dit, ah, j'ai pas la peine, moi, j'ai pas la peine, mais il avait 3 paquets. Et ben qu'est-ce que je pouvais savoir? Donc voilà. Tiens. Et puis en tout cas, ça mange pas de pain, parce que voilà, comme on s'essuie beaucoup les mains, le cul. Il a repris des oignons alors qu'on en a aussi. J'ai pris des oignons parce que je savais pas qu'il y avait des oignons, donc voilà, j'en ai pris 3, ça mange pas de pain. Il a pris des pommes de terre alors qu'on en a aussi. Oui, j'ai pris des pommes de terre. C'est pas les mêmes. Qui va au four à micro-ondes. En 30 minutes, c'est déjà cuit. Pour 99 centimes, donc on va pas pleurer. Ah non, c'est pas celui-là, c'est pas celle-là que j'ai pris. Et toc dans les dents. C'est le président, moi j'ai pris. Président, monsieur le président. Hé, bouchette de chef de président. Elle est trop. Ah, a bien fait. Au lieu de la punir. Donc je disais, bouchette de tais-toi. Tais-toi, on s'en fout, allez, hop, voilà, tais-toi. Bouchette de chef de président, elle est trop bonne. Oui, c'est bien de sa vie. 8 minutes. Waouh, putain, plus ça va, plus 8 minutes. Plus ça va, plus ça diminue. Plus ça va, plus c'est courant. Donc ici sur internet, elle m'a trouvé. Tu l'as déjà dit hier. Non, elle m'a trouvé un magasin spécial bombe à créa. Donc ça s'appelle Marquise. Des anges. Marquise Art Shop and Gallery. Non, je t'ai dit qu'il y avait. C'était pas Marquis. C'est Marquis Art. Ça s'appelle pas Marquis. On prononce pas Marquise ? Non, il n'y a pas le R là. J'avais c'est Marquis ! J'avais dit de l'enlever. Alors ? Alors, femme ! Hein ? Donc, je me suis trompé, c'est Marquis. Homme ! Comme les saucisses Marquis. Art, shot, non, c'est shop, Marquis. And gallery. Et c'est à Paris, pas très. And, il n'y a pas de là. Ah, and ! And, ça se prononce en anglais. Non, ça s'écrit and. Ça s'est jamais anglais, prononcé ça se prononce and. And. Bon, allez-y. Dites-moi and, ceux qui connaissent l'anglais. Est-ce qu'on prononce and, est-ce qu'on prononce and ou and? And. Moi, on m'a toujours appris and. Et en plus, il n'y a pas de à la fin. Mais on s'en fiche, c'est toi qui as écrit, c'est moi, donc tais-toi. Tout au coup, bouchon. Et c'est apparemment à Châtelet-Léal, je ne savais même pas que Châtelet, j'y vais souvent. Ça, c'est mon quartier général. Et j'aurais juste à demander le quartier. Oui, mais les gens, ils connaissent pas Paris. Situé entre magasin Agnès B et Citadium. C'est un C, là, Citadium.
Mais on s'en fout des fautes, je m'en bats les couilles. Fait, elle, je lui ai dit, en plus, je lui ai plié. Hein, je m'en fous des fautes. Il a encore fait des fautes malgré que je lui ai plié. Je m'en fiche. J'aime pas les fautes. J'aime les fautes. Et ça, à chaque lettre, métro, chaque lettre. Donc voilà, je les ai pas perdus. Et ça, c'est quoi? C'est là pour y aller. Ah oui, il faut que je descende à Porte Cédescu, Forum des Halles. Donc voilà, faut pas que je perde le petit papier. Et on a fait la... Pousse-toi ma houtte, gros patapou. Donc on a marqué pour les questions FAQ. Oui. Donc il y a 30 questions. Ah, j'ai marqué les 30 questions. On vous le fera tout à l'heure. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas. Voilà, donc pareil, hein, comme dit Cécile. Hein. Si vous avez d'autres questions, bah, n'hésitez pas, allez-y, bombardez. Hein. Mais essayez de regarder les autres questions pour éviter de... Pour mettre en double, parce que même pour nous, c'est un petit peu chiant, parce que des fois, on retombe sur les mêmes questions, c'est un petit peu embêtant. Donc, évitez de remettre les mêmes questions. Comment on dit ? Visionnez vos collègues abonnés pour voir si vous n'avez pas mis les mêmes questions. Mais en tout cas, très très bien les questions. Hein, il y a pas de soleil là-bas ? Non, franchement, très très bien. Mieux que la dernière fois qu'on avait fait le premier FAQ. Là, c'est vraiment des très belles questions et même très très dures. Il y a des questions qui ne sont pas faciles. Et franchement, très très bien. Donc, je vous donne 20 sur 20 sur vos questions. Voilà, c'est franchement, il n'y a rien à dire. Donc, continuez comme ça sur vos questions. C'est très très bien. Donc, par contre, j'ai pas mis les noms des abonnés. Hein, parce que je ne veux pas dire un tel, nanana, un tel. Chacun se reconnaîtra. Oui. Donc, je pense que chacun reconnaîtra ses questions. Et voilà. Bon, j'ai préféré faire comme ça cette année. Et puis, voilà. Mais en tout cas, voilà, comme je vous dis, j'ai voilà, 30 questions. Voilà. Ils sont aussi durs les unes que les autres. Et le reste, bah, on va les garder pour une prochaine vidéo de FAQ. Donc comme ça, si vous en remettez d'autres, bah voilà, ça arrangera les choses. Comme ça, on aura beaucoup plus de questions. Et on fera beaucoup plus de vidéos sur ça, sur la FAQ. Donc merci encore une fois, merci. Pourquoi pas, c'est oui. D'y avoir participé. Donc vous êtes vraiment des amours, tous et toutes. C'est super sympa. Donc merci. Faut qu'on fasse des oui ni non aussi les questions. Oui bah ça on sait des oui ni non. Non parce que Sarah elle demande hein, sur tous les commentaires. Hein, toutes les vidéos Sarah. La petite Sarah elle y tient. Oui ni non. Alors une fois qu'on va l'avoir fait Sarah le oui ni non tu vas nous demander quoi. Je rigole bien sûr. C'est une poutade. Hein. C'est vrai, notre petite Sarah, c'est la plus jeune de tous les abonnés. C'est vrai, elle y tient qu'on fasse notre vidéo de ni oui ni non. Donc rassure-toi, ma petite Sarah, on va le faire, t'inquiète pas. Mais chaque chose en son temps, ça sert à rien de trop presser. Puis après, on n'aura plus d'idées pour faire des vidéos. Et si, comme on est en confinement, hein, comme tu dois le savoir, tu dois être en confinement aussi. Donc c'est pas facile de faire des vidéos, vu du fait qu'il y a beaucoup de magasins qui sont fermés et qu'on peut pas aller et tout. Donc on essaye de voilà de on essaye de faire des temps que vous avez vous aujourd'hui trucs. C'est pas génial, il y a du soleil mais tu sais pas regarder la caméra toi. Il y a du soleil mais toi être d'accord. Hein ouais. Ouais, et toi tu me le dis bien toi. Moi je te dis rien toi, moi. Toi mon toi mon tous mes seins. Il y a du vent aujourd'hui. Elle est pas belle. Touche pas mes cheveux. Elle est pas belle ma meuf. Oh. Hein, elle est pas belle ma meuf. Hein voilà. Elle est pas belle voilà. Ma meuf. Elle est pas belle ma meuf. Mais voilà. Déjà c'est la galère avec les cheveux. Ouais, c'est la galère avec les cheveux. T'en fous, t'as pas de problème. Bah t'as qu'à les raser comme moi, comme ça t'aurais plus de problème. Crâne jaune. Bah toi aussi crâne jaune. Crâne jaune, ça y avait crâne rasé. Bah tu fais comme dans Walking Dead la. Ah non, elle est affreuse. La femme qui a essayé les cheveux belle. Grisés. Elle est pas belle. Oui parce qu'elle a un peu de cheveux. Crâne jaune, ça a été belle avec ses cheveux rasés. Chanter La vie en rose. La vie en rose. J'aime bien cette chanson. Oh, je sais même plus comment ça s'appelle. Pourquoi je vais écouter, tiens. Pourquoi je vais pas écouter. En plus, j'aime bien la version de Grand Jo. J'aime bien la version de Edith Piaf, La vie en rose. Je fais Edith Piaf, hein, La vie en rose. Oui. Et j'aime bien aussi la version de Grand Jones parce qu'elle est.
refaite à la un peu moderne, elle est remixée et j'aime bien. Voilà, c'est juste un détail. Et ben elle était très belle avec les cheveux rasés, moi je trouve. Donc dans bien, moi, je suis pas... tant que j'y pense, je vais pas tarder. Enfin quand il y aura la fin du confinement, je sais pas quand ça va se finir, mais bon. Ah, en fait, il parle ce soir, hein, Macaron. Macaron, oui, il parle ce 20h02, soir. Il nous permet d'applaudir d'abord. Donc je vais essayer de faire de la peinture acrylique. Donc je ne vous promets rien, franchement, ça va être un. Je pense que ça va être une catastrophe, de catastrophe. Mais je vais essayer, franchement, parce que oui, je suis. Surtout qu'il doit faire mon portrait en premier, il a dit. Je suis assez tenté pour l'acrylique. Donc je regarde pas mal de petites vidéos en ce moment de peinture acrylique. Ça me tente aussi. Je suis blonde. Même si j'aime bien tout ce qui est spray painting, mais bon, c'est pas pareil, ça a été bon. T'as vu, je suis blonde. Mais c'est vrai, je suis tenté. S'en fout. Et c'est, je crois, c'est Elisabeth qui m'a donné qui m'a dit d'essayer de faire un pari, comme quoi qu'il fallait que j'essaie de faire des peintures acryliques. Elisabeth, t'as dit ça? Donc, le pari lancé, donc dès que j'aurai l'occasion, j'ai fini pour aller seul. Bah, j'essaierai de faire une petite peinture acrylique. Bon, j'ai des trucs de peinture, mais c'est pas des peintures acryliques, c'est de la peinture normale en tube. Donc après, est-ce que ça va faire l'effet acrylique? Ça, je ne sais pas. J'en sais rien. Mais bon, le problème, c'est que j'ai pas 40 000 pinceaux aussi. Donc, bah après, faut que tu t'achètes. C'est pour ça que j'ai une boîte, j'ai une boîte en plastique là, que je peux mettre de l'eau dedans. Parce que les peintures que j'ai en tube, c'est des peintures à l'eau. Oui, c'est la gouache. Donc la peinture acrylique, c'est la peinture à l'eau aussi. Je pense, oui, c'est la gouache, je pense. Bah oui, Elisabeth, à l'OTFM, vous avez dit que c'était la gouache. L'autre fois, il me semble. Ouais. Mais la sacoche de peinture que tu as. De pinceau. De pinceau, oui, bah, c'est ça, c'est ces pinceaux-là. Ouais, ouais, mais. T'as le pinceau en éventail. Oui, mais regarde dans le. Il y en a qui ont des gros pinceaux, moi j'en ai qu'un, j'en ai pas 40 000. Hein. Action, ça, ouais. C'est pas donné hein, les gros pinceaux. En Action, ils sont pas chers. T'as tout ce qui est pour les peintures comme ça justement en Action. Oui, mais il faut soit des bons pinceaux. T'as en Action, ils font le truc la palette. Il y a les pinceaux pouce 1, pouce 2, pouce 3. Moi je sais pas c'est quoi ça. Mais j'y connais rien. Bah, faut te renseigner derrière. Bah, tu repasses un coup de fil à Elisabeth, elle en fait de la peinture. Donc moi j'y connais rien. Hein. Ah bah te dis Elisabeth. Donc voilà, je vais essayer de faire des toiles. Des toiles avec de la peinture normale. Bon, malgré que j'en ai fait à l'école, mais bon, c'est pas pareil à l'école. Voilà, c'est juste faire des dessins comme ça sur une feuille et voilà. Ça sera un Guigui Picasso. Donc, je vais essayer. Franchement, je vais tester. Je vais essayer de faire des décors. J'accepte au pyjama. Mais bon, la peinture, c'est plus des paysages. Genre montagne, forêt, des trucs comme ça. Non. Oh, ça dépend. Bon, il y en a qui font des personnages, mais ça, faut vraiment être très très dessinateur. Moi, j'y suis pas du tout. Et voilà. Donc, je vais essayer. Donc, voilà, c'est un pari que j'ai fait avec Elisabeth. C'est Elisabeth qui m'a donné ce pari-là d'essayer de faire des peintures acryliques. Donc je vais déjà essayer avec les tubes de peinture qu'on m'a offert. Je ne sais plus lequel abonné qui m'a offert les peintures. Donc je vais essayer avec ça déjà. On va voir ce que ça va donner. Et je regarde beaucoup la chaîne Le Magicien de Couleur. Mais apparemment c'est une émission parce que quand tu cliques sur New TV... Ça ne fonctionne pas, donc ceux qui le regardent aussi, cette fameuse chaîne-là, ça vous fait pareil. Parce que je voudrais regarder ces tout débuts de dessin, et ça me met impossibilité de vidéo, je sais pas quoi. Enfin, j'arrive pas à me mettre dessus. Donc apparemment, je pense que c'est...
c'est que des émissions télé qui sont mises directement sur YouTube. Et puis, le peintre vient comme ça, de temps en temps, faire de la peinture. Voilà. Mais en tout cas, moi, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. C'est, je crois, c'est Daniel Couture ou un truc comme ça, je crois qu'il s'appelle. Et franchement, il est français. Enfin, il est d'origine, il doit être québécois. Parce que j'adore son accent. Et franchement, il fait des peintures sublimes, franchement. Et il explique bien. Parce que t'en as, ils font des peintures, mais la plupart du temps, ils n'expliquent pas. Ils font la peinture, ils passent ça. Mais lui, il explique bien de A à Z. La façon que tu mets tes couleurs, la façon que tu étales tes couleurs, l'explique au niveau des pinceaux, le pouce 1, pouce 2, pouce 4, pouce 6. Franchement, c'est quelqu'un qui explique très 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 bien ses peintures. Et franchement, moi je le kiffe. Franchement, voilà, j'aime bien déjà, j'aime bien sa façon de parler et j'aime bien ce qu'il fait. Donc grâce à ces peintures d'acrylique qu'il fait, moi je vais essayer de les faire en spray painting. Je dis bien, je vais essayer. Ça va peut-être pas donner la même chose parce que c'est de la bombe. Mais je vais quand même essayer. Donc voilà. Voilà pour les nouvelles de 2020. Donc ce soir, comme je disais, moi ce soir je finis les papates lardons et jambon, des jambons. En tout cas, très très bon. Franchement, je l'ai très bien réussi. Mieux que la dernière fois que j'avais fait, mais j'avais pas mis de lardons. Ou je crois que j'avais mis que des lardons, j'avais pas mis de jambon, voilà, c'est ça. On a encore des questions qui ont été rajoutées. J'avais pas mis de jambon, de jambon. Des zambons, Allez, des zambons, mais en tout cas un régal, je l'ai très très bien réussi, à part le gruyère là, il a pas très bien gratiné, c'est un petit peu chiant, il a légèrement pourtant, c'est le gratiné sur les gruyère côtés, président, je comprends pas qu'il t'a pas mais gratiné. pourtant le trou de la plaque était bien bien haute, mais je sais pas, à mon avis c'est peut-être le four qui commence aussi, notre cuisinière qui commence à rendre l'âme, hein. Bon, elle fonctionne encore. Mais à mon avis, voilà, elle ne va pas bien bien griller comme il faut. Même les tartines, hier, Cécile a voulu des tartines grillées hier. Et ça n'a pas bien grillé. C'est resté un peu. Le pain, il est resté grillé, mais ça n'a pas grillé au-dessus. Donc j'ai l'impression que le truc au-dessus, il déconne un petit peu. Mais bon, pour l'instant, ça attendra quand on aura des sous. Pour l'instant, on fera. Comme à la guerre, hein, on fera avec les moyens du bord, on n'a pas le choix, voilà. Et voilà. Ah, Bicker a fait un tirage au sort avec aussi des petits cadeaux bientôt. Bicker, c'est qui Ah, Bicker? reviens, Bicker. Ah oui, ah oui. Bah, un petit coucou à Bicker, hein. Donc un petit coucou aussi à Simba, je lui fais un gros gros bisou. Et puis voilà, j'espère que tu vas bien. Un petit coucou à Tom Tom aussi, il y a son mari Thomas. J'espère que vous allez bien tous les deux, ainsi que sur le fiston. Un petit coucou à Eva, à Eve A, je crois. Aussi, j'espère qu'elle va bien aussi. Et la troisième, c'était qui, quoi? Qui était pas bien? Elsa avec son fils, je crois. Oui, je crois que c'est Elsa avec son fils. Je vous fais tous de gros gros bisous, gros gros câlinous. Et j'espère que vous allez tous bien. Donc voilà, des petits coucous, des petits bisous à tous ces gens-là qui sont malheureusement malades. Donc voilà, on pense beaucoup à eux et on souhaite vraiment de tout cœur, on croise les doigts, on souhaite de tout cœur qu'ils guérissent le plus possible. Donc voilà, ça peut arriver à tout le monde, malheureusement, voilà, c'est tombé sur eux. En plus, mes abonnés, donc voilà, j'ai une grosse, 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 grosse pensée à eux. Parce que c'est des gens, franchement, qui sont formidables. Je n'ai jamais, depuis qu'ils me suivent sur YouTube, je n'ai jamais eu de problème avec eux. Toujours sincère, toujours un petit commentaire, toujours un petit coucou et tout. Donc voilà, de mon côté, voilà, je leur fais un petit coucou, un gros, gros câlin. Et voilà, je leur souhaite qu'ils guérissent le plus vite possible pour nous revenir. Voilà. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc si vous avez aimé cette petite vidéo. Ah oui, j'ai oublié.
J'ai mis deux petites vidéos dans l'univers painting et création. Donc pour les personnes, attends, pour les personnes qui ne connaissent pas ma deuxième chaîne, s'il vous plaît, allez-y, parce que je fais quand même des peintures en spray. Même si je ne suis pas professionnel, j'essaie quand même de me démerder. Et il y a beaucoup d'abonnés qui m'ont dit que c'était très très bien. Et là, j'ai fait deux créations, deux scrapbook créa sur mon album spécial abonné, justement, spécial pour vous, au niveau des cartes qu'on m'a envoyées. Donc, si vous voulez voir ces vidéos-là, donc s'il vous plaît, je vous supplie pas, mais s'il vous plaît, allez vous abonner à ma deuxième chaîne. Comme ça, ma chaîne en montrera un petit peu plus. Et franchement, ça me ferait hyper, hyper plaisir qu'il y aurait une bonne partie des Bretons qui vont sur ma deuxième chaîne aussi. Ça me ferait un très, très, très grand plaisir. Donc après, vous faites ce que vous voulez. Si vous n'avez pas envie, tant pis. Hein. Mais voilà. Donc ça me ferait vraiment plaisir que vous y allez. Donc, voilà, parce que là, il y a deux vidéos quand même qui sont mises dessus. Et voilà. Et puis n'oubliez pas aussi d'aller sur la chaîne de Queen Cécile aussi, parce qu'elle le mérite aussi. Même s'il n'y a pas grand chose dessus, il y a quand même quelques petites vidéos qui ont été mises. Des recettes. Mais comme je veux du rodi une deuxième fois pour les nouveaux qui se viennent d'arriver, Cécile, elle attend son nouveau téléphone pour pouvoir éventuellement faire des vidéos et pour qu'elle puisse éventuellement mettre sur sa chaîne. Donc voilà. C'est donc, nouveau tu, ça. Donc sur, tu voulais sur ici, ils ont marqué. Enfin, je suis des menteurs. Hein. Peut-on vraiment affirmer que le tabac protège du Covid-19? Parce qu'apparemment, le faible nombre de fumeurs parmi les patients touchés par le coronavirus les guérissent. Interpelle les médecins. Tu veux dire qu'ils se guérissent? Je veux dire, tout le monde va fumer alors en fin de compte. Pourtant, il y a quoi? Il y a une semaine, ils disaient que les gens qui sont fumeurs, fallait qu'ils fassent attention parce que justement, ça donne des bronchites chroniques, ça fait la cigarette. Ouais. Et puis là maintenant ils ont peut-être trouvé j'y crois pas. Peut-être un cas ou c'est peut-être un fake, je sais pas. Donc on verra. Je suis pas sûr de ça. Donc voilà, donc sur ce, de toute façon on va vous faire la vidéo de FAQ de toute façon. Les produits finis, c'est pas la peine parce qu'il n'y a pas assez, donc ça sert à rien que tu fasses mini un produit fini, ça sert strictement à rien. Il n'y a pas vraiment pas grand chose. On est peut-être mangeur, mais bon, on mange pas tous les 5 minutes non plus. On va pas vider le frigo quand même. Donc, j'ai regardé, on a été regardé ce matin avec Cécile le congèle. Donc, on a encore pas mal de petits trucs, enfin, vraiment pas mal de petites viandes, pas mal de légumes. Donc, voilà, on n'est pas trop. On va pas mourir de faim. Voilà ce que je voulais vous dire. Et n'oubliez pas de regarder Macron ce soir à 20h02. Qu'est-ce que ça bug? Et n'oubliez pas non plus d'aller applaudir ce soir à 20h pour les. Bah, c'est pour ça qu'il nous laisse. Pour toutes les personnes comme moi éventuellement qui travaillent pour nourrir le peuple. Et ainsi que les éboueurs pour rendre les villes propres, les pompiers pour les gens qui sont malades, pour le feu et tout ça. Et surtout, un très très grand merci pour les infirmières et docteurs qui sont là pour sauver la population. Donc un très très grand merci pour eux. Et je trouve ça honteux aussi que les gens puissent... faire dégager les infirmières de chez eux. Je trouve ça vraiment honteux, mais vraiment honteux. C'est vraiment dégueulasse de faire ça. C'est que le jour qu'eux seront malades, ils seront bien contents d'avoir une infirmière à côté d'eux pour leur sauver la vie. Donc faire ce genre de choses, c'est vraiment dégueulasse. Moi, le premier, vous voyez ici dans la cité, on a beaucoup d'infirmières et... Ici, ça se fait pas. Franchement, j'ai pas entendu tomber dans mes oreilles comme quoi que l'une des infirmières ont été fait des menaces, comme quoi il faut qu'ils dégagent et tout. Donc, soit ces personnes-là, c'est vraiment des enculés, excusez-moi du terme,
des enculés, des vraiment des enfoirés d'une première. C'est pas très très gentil de faire ça à nos infirmières parce que c'est grâce, quand même grâce à eux qu'on peut éventuellement être sauvé. Donc en plus, c'est un métier très très dur, très très compliqué, très très difficile. D'ailleurs, Cécile a travaillé dans un hôpital, donc elle pourrait vous dire éventuellement ce métier-là. Même si elle n'était pas infirmière, bon, elle a travaillé quand même dans le zone. J'étais aux admissions, je suis rentré en direct quand même avec le personnel hospitalier. Hein. Donc elle était quand même parmi les infirmières et tout ça. Parce qu'on allait dans les pavillons. J'ai travaillé en psychiatrie, maternité, Donc pôle enfant avec les enfants handicapés, tout ça. Moi, j'ai fait plusieurs secteurs. voilà, donc voilà, je voulais vous dire ça. Donc encore une fois, un très très grand merci à nos infirmières. Heureusement qu'ils sont là. Donc voilà. Maintenant, après, vous prenez comme vous voulez, hein, mais moi, je dis ce que je pense, je dis ce que j'ai du fond du cœur. Merci aux infirmières. Sur ce, bah voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. C'est pour ça qu'il parle à 20h02, parce qu'il nous laisse 2 minutes pour applaudir. Voilà. Donc, bon appétit pour ceux qui mangent le midi. Comme vous savez que nous, je me répète encore une fois, On mange pas. on ne mange pas le midi. À part vraiment si on a un très 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 gros appétit, on a vraiment 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 faim. Mais sinon, on ne mange pas. On mange plus le soir. Et ça, voilà, on est tranquille. Ah oui, je voulais faire un petit passer un petit message. Bah, tu fais le tour. Oui, parce qu'on ne voit pas. Oui, on ne voit pas, les gens, ils l'ont disent. Ils l'ont dit, ils veulent te voir. Sur notre chaîne, je ne sais pas, bon, je pense qu'il y en a qui s'en ont aperçu, qu'on a les postes de communauté maintenant, pour pouvoir mettre des bonjours ou ce qu'on veut. Et hier, j'ai partagé une vidéo d'une chaîne de Valérie Bonplan. Valérie, c'est une personne que moi j'adore. Moi, je kiffe Valérie, j'aime son fond de parler, son franc-parler, sa façon qu'elle fait, sa façon de faire. Ces petites vidéos qu'elle fait, bon, là en ce moment, elle fait un peu comme nous, elle fait des retours de course parce que malheureusement, bah, avec le confinement, il y a beaucoup de choses de fermées. Donc voilà, elle fait des petits vlogs de son jardin, enfin, elle fait pas mal de petites choses. Et elle recherche des abonnés. Et moi, je vous conseille sa chaîne parce que franchement, c'est une personne que j'adore. Je la kiffe, j'aime bien son franc-parler, j'aime comment elle fait. Elle est sympathique, elle vient sur nos lives, tout le temps un petit commentaire sur nos vidéos. Nous, tout le temps, on lui met un commentaire aussi. Donc, je vous ai partagé dans le poste de communauté pour l'aider et la faire connaître un peu quand même. Je sais qu'il y a des abonnés à nous qui sont des gens déjà chez elle parce que j'en avais parlé sur un live. Et là, je vous en reparle parce qu'elle cherche des abonnés pour avoir un peu plus de monde. Et allez-y, je vous ai donc partagé une de ces vidéos dans poste de communauté. Vous avez le lien, vous avez juste à cliquer dessus. Et après, vous allez voir. Bon, après, c'est pas, je vous force pas, hein, c'est pas un forcing. Si ça vous plaît, Vont faites lui rester. plaisir, abonnez-vous et mettez-lui un petit Ça lui fera commentaire. plaisir. Et si bon, ça vous plaît pas, hein, on n'est pas Oui, obligé de tout aimer. on peut pas Mais tout aimer, après, c'est sûr. je pense que ça devrait vous plaire parce qu'elle fait des retours de course, elle fait des blablas dans son jardin, Mais ça, il y a beaucoup de gens qui comment aiment ça bien se les passe, blablas. comment Le elle fait avec confinement. ses plantes, tout ça, le confinement. Là, elle a adopté un petit toutou qu'elle va avoir bientôt, vous verrez, elle va faire la vidéo, tout ça. Donc, il y a plein de choses. Elle fait des recettes aussi. Oui, des recettes. Donc, je pense que c'est le genre de petite chaîne qu'aiment bien, les gens aiment bien. Voilà. Un peu comme Mamie. Mamie Vitamine, Voilà. pareil, hein, allez la Mamie voir aussi, aussi, c'est une hein. bonne. J'aime bien C'est Mamie une bonne aussi. mamie, elle est portugaise et elle est très très marrante. Franchement, on se marre dans ses C'est vidéos, des personnes que bah j'aimerais bien rencontrer. Sa ouais. Mamie, Valérie, j'aimerais bien aussi la rencontrer. C'est surtout mamie, C'est franchement, bah, je rigole dans des ses vidéos. personnes de franc-parler et en même temps qui Voilà. sont Mais je pense que c'est des gens très sympathiques, je voilà, pense. c'est genre de gens qui te mettront pas le couteau dans le dos par la suite. Voilà. Donc Pas moi comme une qu'on a aidée et puis elle nous a bien entubés. moi j'aime bien. Et là, il y a une nouvelle chez nous. Apparemment, tellement mon téléphone, tu te débranches. Donc Je savais même pas qu'on était abonné. on fait des petits trucs d'infos là, spécial pour eux. Je savais pas qu'on était abonné. Donc, c'est peut-être toi qui t'es abonné, je sais pas. Je connais pas du tout. Bah moi il y a beaucoup de gens, je me suis abonné donc. Ségolène Family.
Si, si, je me suis abonné. Ah non, Ségolène, c'est Ségolène. Ségolène. Ségolène Family, donc c'est pareil, Ségolène Family, elle s'est abonnée chez nous, et on s'est abonné apparemment. Et elle demande un petit coup de main pour sa chaîne. J'aimerais aussi un petit coup de pouce pour ma chaîne YouTube, voilà. Elle fait quoi, Ségolène ? Je parle de mon quotidien de maman, routine, ménage, cleaning, retour de course, hall bébé, etc. Ça peut être sympa. Donc ça peut être sympa. Voilà, ça peut être sympa. Moi, je ne connais pas personnellement, je n'ai pas encore été voir. Peut-être que toi, tu as été voir, je ne sais pas. Non, je n'ai pas encore été. Bah, je n'ai pas trop eu le temps. Je me suis peut-être abonné, mais je n'ai pas eu le temps. Du coup, je suis venue faire un tour sur... sa chaîne, elle s'est abonnée à Valérie aussi, mais je pense qu'elle doit être abonnée chez nous. Oui, je sais pas. Je enfin, bref. Donc, oui, si elle part sur notre poste communauté, c'est qu'elle est abonnée. Donc, pareil. Allez-y. Allez voir sa chaîne. Ça peut être sympa. Chaîne. Elle est, si vous voulez y aller, elle est sous le poste de communauté que j'ai mis pour Valérie. Elle a ce premier commentaire. C'est Ségolène Family. Donc, je sais pas. Je connais pas. Donc, oui, on est abonné. Elle a 64 abonnés, donc c'est vrai qu'elle me suis bien abonné chez elle. Elle a coupé les cheveux à son homme il n'y a pas longtemps. Oui. Ah oui, c'est elle que j'avais dit, j'ai vu, j'ai coupé ses cheveux à son homme. Donc voilà, donc... ça peut être sympa aussi. De petites chaînes que je pense que je peux vous conseiller. C'est deux chaînes franchement à mériter de... d'aller voir. Puis si jamais, bon, ça vous plaît pas, vous restez pas. Hein, ça m'étonnerait, hein. En plus, avec le bébé, machin, ça plaît beaucoup, hein. Apparemment, elle fait du cleaning. Alors, cleaning, je sais pas ce que c'est. Motivation, routine, ménage. Ah oui, cleaning, c'est motivation, routine, ménage. Apparemment, c'est ça. Je connais pas. C'est pas comme ça. Elle a coupé les cheveux de son mari aussi. Retour de course, confinement, hall de course, tu vois. Bon, elle fait pas mal de petits trucs. Hein. Agriculture, trucs avec son bébé. Enfin, voilà. Ouais, ça peut être sympa. Allez-y. Alors, donc, je vous conseille d'aller voir Valérie Bonplan et... Ségolène Family. Family, voilà. C'est le confinement, profitez-en pour apprendre à connaître les petites chaînes. Pour avoir des nouvelles petites chaînes, toutes nouvelles. Alors Valérie, c'est Valérie Bonplan Lifestyle. Bon, c'est pas facile de retenir tout ça. Mais bon, c'est pas. Moi, je vous ai mis le lien donc pour la communauté. Oui, le lien a été mis, donc vous n'avez pas à vous tromper, vous avez juste à cliquer dessus. Voilà. Vous remarquez. Bon, ça, c'est deux petits trucs que je voulais parler parce que c'est vrai que c'est... Valérie, je connais plus que c'est Ségolène Family, j'ai pas encore été voir. Et franchement, je vous conseille. Voilà. Valérie, mamie, Ségolène Family, bon, bah allez-y, puisqu'elle a besoin d'un coup de main. Après, je sais pas, il y a d'autres chaînes aussi, mais... Donc voilà, on le fait exceptionnellement pour eux, parce que... Si, Jessica Rose aussi, Jess Rose. Enfin, Jess Rose. Parce que normalement, on ne devait plus faire ça, de donner des coups de pouce aux gens. C'est depuis que l'autre poufiaste là, nous a bien entubé. Oui, mais ça, qu'on l'avait aidé, et puis elle a fait une vidéo sur nous, en nous insultant et tout ça. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'on avait, avec Cécile, on avait décidé de ne plus aider les gens. Donc là, c'est vraiment exceptionnel. En espérant que ces personnes-là non plus ne vont pas nous mettre un couteau dans le dos aussi. Parce que franchement, c'est pas très sympa. En plus, nous, ça faisait pas très longtemps qu'on était sur YouTube et on a voulu faire ce geste-là de donner un coup de main à cette personne-là. Et elle nous a très très bien descendu. Mais c'est une folle. Donc voilà. Et justement, elle a fait une vidéo sur notre gueule en nous insultant, en traitant de Cécile de petite grosse et tout ça. Comme quoi, moi j'étais un connard et tout ça. Ouais, mais si elle croit que j'ai pas vu, détrompe-toi parce que. Elle pense qu'on n'a pas vu sa vidéo de merde, mais on a bien vu sa vidéo de merde. Donc méfie-toi parce que un jour que je vais péter les plombs, ça va mal finir pour toi, quoi. Voilà. Bon, laisse tomber, ça va se régler. Donc sur ce, de toute façon ça va se régler, hein. De toute façon cette histoire-là, ça va se régler. Ça va se régler au commissariat et tout ça. Les appels d'insultes et les messages, t'inquiète. Bah oui, on sait que c'est elle, hein, donc il n'y a pas de problème, quoi. J'ai tous ces messages d'insultes et tout ça, de gros mots, tout ça, donc voilà. Donc ça sera la police qui va s'en occuper, ou la gendarmerie, je sais pas. Elle verra bien quand elle pourra plus aller sur YouTube ou quoi que ce soit, elle fera de la prison pour... De toute façon, c'est une folle. C'est une folle, de toute façon, voilà.
Si nous, si moi, elle me traite de connard, elle, c'est une folle, une foutue. Moi, je travaille en psychiatrie, voilà. J'en ai vu. Mais je me demande pourquoi elle a 17 abonnés, franchement. Parce que, mais franchement, bien. elle devrait se retrouver à 0 abonné. Pour avoir fait ce qu'elle a fait. Voilà. Oui, donc, enfin, de toute façon, moi, celles que je vous ai conseillées, elles ne sont pas du tout comme ça. C'est pas voilà, des personnes. J'espère, je croise les doigts. Qu'ils ne sont non, pas comme mais... ça aussi. Ça se voit, c'est pas. Mamie, on voit bien qu'elle n'est pas comme ça. Mamie, Valérie et puis Ségolène, je sais pas, mais je pense pas non plus. Donc voilà, donc nous on veut bien donner un petit des coups personnes de pouce. Qui ont un franc parler, comme nous, on nous a fait pour nous, on nous a donné des petits coups de pouce. C'est que comme grâce à eux qu'on a monté, Et on voit. Avec entre guillemets mon beau-frère et ma belle-sœur qui nous ont grimpé, qui nous ont aidé à monter, c'est comme grâce à eux aussi. On peut pas dire le contraire. Mais même si entre les deux sœurs sont fâchées, c'est quand même grâce à eux qu'on est quand même monté. Après, bon, ça a suivi. Hein. Après, nous, on s'est démerdé. On a pas eu de gros pouces. Hein, Oui, mais on a quand même eu des grosses pouces grâce à eux. Pas de leur côté, excuse-moi. Voilà. Mais voilà. Il y a plus eu de la descente que des coups de pouces. Oui, il y a peut-être eu de la descente, mais ils nous ont quand même aidé à monter. Voilà. Pas grand-chose. Et puis bon, voilà, même bien. Après, il y a eu d'autres personnes qui nous ont aidés à monter alors, aussi. On va aller foutre le bordel sur le live, le premier live qu'on a fait. Donc voilà, donc encore une fois, merci à ces personnes-là qui nous ont aidés à monter. Donc, sinon, on peut donner un petit coup de pouce aux gens qui sont sérieux, honnêtes et qui vont pas nous descendre par derrière. Donc pourquoi pas? Mais il faut pas que ça recommence, c'est terminé. Mais non, mais quoi. Tout le monde n'est pas pareil, Guillaume. Là, les gens que j'ai conseillés, ça n'a rien à voir du tout avec eux. Moi, j'ai bon cœur, donc si après, si on met le couteau dans le dos, c'est fini, quoi. C'est même plus la peine, quoi. Les gens que j'ai conseillés, ça n'a rien à voir. Il y a plein d'abonnés qui sont abonnés à Mamie. Ils ont pas toussé avec Mamie. Nous, on n'en a pas non plus avec Mamie. Puis on voit bien que Mamie, elle n'est pas comme ça. Non, je sais bien, mais bon... Bah l'autre aussi on pensait qu'elle était pas comme ça, puis l'autre folle. Ah si, c'était une autre folle, je t'avais dit moi. L'autre abruti de mes deux. La première se retrouver en hôpital chez les dingues, ça ira mieux. C'est Katoun, moi je pensais pas que... Oui, Katoun aussi, ça, c'est quelqu'un que... Une personne qu'on lui a jamais rien fait de mal, toujours été honnête avec elle, toujours un petit coucou, toujours machin. On lui a envoyé plein d'abonnés. Et pareil, on lui a envoyé pas mal d'abonnés et tout. Et elle nous a traité Guillaume de gros connard. Et elle s'est permis de me traiter de gros connard. Donc voilà, donc c'est ce genre de personnes-là que j'évite. Par la suite, j'évite d'aider d'autres personnes parce que voilà. Comme on dit, trop gentil, trop con. Donc c'est pas très gentil aussi à Katoun. Alors que nous, on lui a jamais rien fait. On a toujours été honnête avec elle, toujours un petit coucou, toujours un petit truc. Donc. Je ne sais pas comment, pourquoi elle a réagi comme ça, mais bon, c'est pas grave. C'est parce que quand t'as fait ta vidéo d'insulte, d'ailleurs t'as pas fait ta vidéo, c'est d'excuse. Alors, pardon, propriétaire, t'as pas fait ta vidéo d'excuse. Donc tout ça à cause d'une vidéo que j'ai effacée parce que j'étais un petit peu trop loin dans mes paroles. Enfin, on s'en fout. Mais bon, là maintenant, si je ne l'ai pas mis, je crois que j'ai dû l'effacer. Parce que je devais faire mes excuses et tout, donc désolé pour cette petite vidéo que j'ai fait. Je sais, il y en a beaucoup qui l'ont pas vu, il y a d'autres qui l'ont vu, donc c'est pour ça que j'ai préféré l'effacer et depuis entre guillemets, depuis en parler. Voilà, donc ça c'est venu à ça, mais bon, du fait à me traiter de gros connard, non, donc voilà, c'est pas très gentil. En ce moment-là, moi, je peux la traiter de grosse connasse aussi, quoi. Ça revient au même. De toute façon, elle est bloquée. C'est 50-50. Elle est bloquée, là. Et du coup, on l'a bloqué et je veux même plus entendre parler. Voilà. On l'a bloqué, c'est moi qui l'ai bloqué. Donc, voilà. Donc, voilà l'honnêteté, notre honnêteté, voilà, envers les personnes. Donc, après, ça apprendre ou à pas apprendre, hein, comme vous voulez. Hein. Donc, voilà. Mais là, les trois personnes, il n'y aura pas de souci. J'espère, je croise les doigts. Mais non, Mamie, je vois très bien qu'elle n'est pas comme ça, Mamie. Mamie et Valérie aussi, c'est déjà des gens qui ont un franc-parler. Elles viennent régulièrement sur notre chaîne, elles sont là au live tout le temps. Il n'y a jamais eu de souci, ça se voit très bien. En plus, nous, on est comme on est simple, on est sincère. En plus, Cécile, c'est quelqu'un qui est... Ah, moi, je suis très franche. Qui est très, très, très franche.
J'ai jamais vu une personne aussi franche qu'elle. Si elle a envie de te dire merde, elle te dit merde en face. Si elle a envie de te dire t'es un gros connard, elle va te dire t'es un gros connard. Si elle a envie de te mettre une claque dans la gueule, elle va te mettre une claque dans la gueule. Franchement, elle est trop franche. Moi, je suis franc aussi, mais d'un côté, après, ça me fait mal au cœur. Donc, je reviens vers la personne, mais c'est tandis que Cécile, non, Moi, je suis elle reviendra pas. C'est très Mais rare que je revienne, moi. moi, j'ai tendance à revenir parce que je suis quelqu'un de très sentimental. Moi, quand j'apprécie que j'aime quelqu'un, bah, j'apprécie jusqu'au bout. Mais voilà, donc voilà, on est des gens simples, on est comme tout le monde. On mange, on fait pipi, on fait caca, on se lave, on dort, Moi, on je va suis au pas quelqu'un en travail. ce moment, je suis Voilà. mal à faire quelqu'un. Donc voilà, on est des gens simples. Donc voilà, comme genre de vanne, comme quoi qu'on fait des vidéos spéciales pour avoir de l'argent. Non, bah non, pas du tout. C'est pas avec 110 euros que je vais m'enrichir. Donc voilà. Ah oui, mais elle a été bloquée aussi. Donc ce genre de réflexion, bah, vous pouvez les garder bien au fond de votre cucu. Non, mais ça, c'est Hein? pas... Arrête. Après Donc ça, c'est pas les je personnes. parle pour les personnes qui ont dit ça, quoi. C'est pas les personnes qui sont. Mais elle est partie, elle est plus là. Elle, Donc voilà. Donc elle est bloquée. nous on est comme on est, hein. Chacun est ce qu'il est. Et que voilà. Donc après, si les gens sont pris pour eux, bah voilà. Hein. Mais moi je parlais pour certaines personnes, je parlais pas pour tout le monde. Donc Non, voilà, en après. vérité, c'était pour une personne Voilà, seulement. c'était une ou deux personnes. Et après, tout le monde s'en prie pour eux. L'ont pris pour eux. Donc s'ils l'ont pris pour eux, ça voulait dire que vous avez quelque chose à cacher vis-à-vis de nous. C'est qu'en fin de compte, ils en avaient rien à foutre de nos vidéos. C'est juste voilà, pour regarder, faire le beau devant, faire derrière, bien je t'encule bien. Donc voilà. Mais je sais qu'on va en retrouver d'autres, hein. Il n'y a pas que, petit à petit, on va en retrouver. Hein. Ça y Mais est, on après, une fois qu'on aura bien viré tous les faux culs, bah, on restera qu'avec vraiment des très très bonnes personnes. Bah alors en ce moment, on Voilà. n'a pas de Comme problème. en ce moment, bah, on touche du bois, on n'a pas de problème. On a vraiment une très très très, je répète, une très très bonne communauté. Franchement, vous êtes vraiment Ouais, des ça va amours. presque. Vous êtes vraiment des amours. On voit que vraiment que vous ne foutez pas notre gueule, que vous mettez des super bons commentaires. Même si vous m'engueulez de temps en temps, mais moi je le prends pas mal. Je le prends voilà comme si vous étiez mes tatas quoi ou mes tontons voilà. Comme une grande famille voilà comme une grande grande famille. Voilà et de notre côté on vous aime on vous adore voilà. C'est ce que j'avais à dire. La vôtre. À la vôtre. Tu me joues de pruneau, je vous dis pas. Bientôt à la chiotte ça va être obligé de manger On va être des obligé de faire le fac dans les toilettes. Être obligé de manger du riz parce qu'il a fait trop caca maintenant. Non, le fac, si on fait le FAQ, on sera obligé de le faire dans les toilettes cet après-midi. Hein. Voilà. C'est un peu petit les toilettes, ça va être dur. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Donc maintenant, vous le prenez comme vous voulez. Non, mais Hein, non, les trois voilà. chaînes que je vous ai conseillées, c'est moi qui vous les conseille. Donc Voilà. allez-y. Si je vous le dis, c'est que franchement, non. Mamie, moi, je la kiffe, je l'adore, mamie. Franchement, c'est une personne Oui, moi, je pense que que mamie, j'aimerais rencontrer parce que. C'est une mamie, Déjà, c'est une mamie mamie, vitamine, une elle me fait mamie qui beaucoup vit penser à ta grand-mère. à ma grand-mère et ça me touche beaucoup. Oui, c'est des gens qui sont des bons vivants, Et qui savent prendre le compte pour qu'on le court, que Valérie, pour. j'adore parce que c'est une personne un peu comme moi qui a un franc-parler, qui dit ce qu'il a à dire. Qui Et dit ce qu'elle pense. voilà, et ça j'aime bien, et j'aime bien ce qu'elle fait. Pas Non, dire, Ségolène, je la pas genre le connais. faux cul, Ségolène, quoi. famille, je ne connais pas encore. Je vais aller voir, mais je pense que c'est une personne qui doit être bien aussi. J'espère aussi. J'espère qu'on n'aura pas de surprise après. Donc voilà. Donc je sais pas si chez vous il fait beau ici, il fait super beau. Donc ils avaient annoncé de la flotte, apparemment non. Hein. Ils sont vraiment gourés sur le temps. Bon, il y a un petit vent frais. Mais quand tu es au soleil, franchement, t'as pas du tout froid, il fait super bon. Donc c'est pour ça que j'ai dit, j'espère que les enfants ont bien trouvé leurs œufs de Pâques dans soit dans leur maison ou dans leur jardin. Donc encore une fois, un gros gros bisou à vos enfants et un très joyeux Pâques à tous. Voilà. Donc sur ce, je vais vous laisser. Moi, je vais continuer à ranger ça. J'ai fait ma petite vaisselle et il faut que je remette aussi des nouvelles musiques sur mon téléphone parce que...
à la force d'écouter toujours les mêmes musiques, bah, j'en ai un petit peu marre. Donc il faut que je remette des nouvelles. Et si j'ai un petit peu de temps, bah, on va refaire 2-3 peintures de Spress Painting. Pour ceux qui ont mon Instagram, j'ai fait les photos de mon album que j'ai fait. Donc ils ont été mis sur Instagram hier, ainsi que mes peintures que j'ai fait, les 5 ou 6 peintures que j'ai fait, ils sont mis aussi sur mon Insta. Donc voilà, donc tous ceux qui ont mon Insta, bon, allez faire un petit tour et ça mange pas de pain. Comme moi, je vais faire un petit tour au truc. Donc un petit coucou aussi à Aurélie son chichi, parce que comme on n'a pas de nouvelles, parce qu'apparemment, j'ai entendu dire qu'elle faisait un petit break. Donc je lui fais un gros bisou à Aurélie. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, que j'adore. Et elle est numéro 2 de mes classements de grandes youtubeuses. Donc je te fais de gros bisous Aurélie. Et j'espère que tout va bien aussi pour toi. Et un gros bisou aussi à Paula Latina. Paula c'est ma petite sœur. Enfin je la considère comme ma petite sœur. Parce que c'est quelqu'un que j'adore, qui a un franc parler, et qui a toujours le sourire et tout. Et j'aurais bien voulu avoir une petite sœur comme elle. Je le dis vraiment du fond du cœur. Et pour moi, comme je vous dis, pour moi, je la considère un peu comme une petite sœur. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup qui disent ouais, comment ça se fait, Paula, c'est ta petite sœur. Non, c'est pas ma vraie sœur. Je la considère un peu comme ma petite sœur. Voilà. Et voilà. Donc je te fais des gros bisous aussi, Paula. J'espère que tout va bien. J'espère pour ton mal de dos, ça va un petit peu mieux. Donc voilà. Et ben il y a bien plein d'autres aussi. Hein. Je fais un coucou à tous les autres personnes aussi. Et voilà. Donc sur ce, on va vous laisser cette fois-ci. Je vous fais de gros bisous. Si vous avez aimé cette petite vidéo, bah, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager, de sonner la petite cloche. Et n'oubliez pas d'aller sur Utip, s'il vous plaît, parce que depuis quelques temps, ça a stoppé. Donc, s'il vous plaît, aidez-nous. Aidez-nous grâce à Utip. Et si vous voulez nous mettre des dons, bah, n'hésitez pas. Ça nous fera trop chaud au cœur. Voilà. Comme on vous dit une fois, c'est pas pour notre gueule. C'est pour améliorer notre chaîne. Éventuellement, ça peut aider à Cécile à racheter un nouveau téléphone, éventuellement. Comme ça, pourra continuer à faire sur sa chaîne. Et avoir plein de petits trucs sympas pour notre chaîne. Donc voilà. Donc l'argent, ça sert exactement pour ça. C'est pas pour aller à Walt Disney, c'est pas pour aller faire des courses, c'est pas pour aller faire ci, c'est pas pour aller se faire beau. Voilà, c'est pour du matos professionnel pour YouTube, pour notre chaîne. Voilà. Je vous dis au revoir. Bon lundi. Et encore une fois, je vous fais de gros bisous. Allez, ciao les loulous. Hugues.